Frères et sœurs, réjouissez-vous! Le superbe brigandin noir qui a jadis conquis les mers a enfin été volé et fait un véritable malheur! Comme vous le savez, ceux de la compagnie en ont peur, et pourtant, ils l'ont conservé des années au port. Pourquoi, vous demandez-vous? Pour la malédiction! Eh oui, mes amis, je trouve aussi que les gens de la compagnie sont de foutus crétins! Il est tenté, selon eux. Même leur corsaire refuse de naviguer à son bord. Mais vous savez ce que j'en pense? Ces mauviettes peuvent bien craindre les fantômes et les esprits. Nous, nous nous régalons du carnage que représente la jeune corsaire. La malédiction, c'était de garder ce navire de guerre amarré. Voyez plutôt de quoi il est capable. Trois navires marchands coulés en une semaine. Toutes ces marchandises, tout cet argent volé, et c'est loin d'être terminé. Il est clair que les navires ne lui suffisent plus. On a vu son équipage piller Guérande, et il sera plus riche que Skurlock avant la prochaine lune. Mais n'allez pas le lui répéter. Que la chaîne corsaire est chargée de trésors, Captain. Mais n'ayez pas prudent. Même ces rapaces de la compagnie. Le navire est une âme, Captain. Toute âme peut succomber à la haine. Il appartient à la compagnie, Captain! J'ai quitté la France pour suivre mon époux afin d'établir un nouveau port marchand pour la compagnie. Mais nous n'avons connu que le malheur à Guérande.
Des pirates. Chaque jour que Dieu fait. Ce matin, un navire de guerre noir a fait feu, encore et encore. Il a coulé beaucoup de navires. La mer a englouti tant de marchandises et d'argent. Mon argent! Ils sont venus piller ma si jolie ville. Si près que j'ai pu voir leurs yeux. Encore, encore! Elle a dit qu'il n'y en a pas assez! Qui ça, elle? Et pourquoi hurlait-il? Il n'a pas réussi à embarquer tout l'argent, alors il a jeté par-dessus bord le vin et la viande. Des marins ont voulu l'en empêcher, parlant de leur voyage vers le nord, disant qu'il manque. Tout espoir est perdu. Pitié, que quelqu'un nous aide. La chaîne corsaire est foutue. De l'argent sale, mais facile, c'est ce qu'il promettait. Voler le légendaire brigantin noir et le vendre une fortune. Au début, cela paraissait bien, mais à présent... Nous voilà perdus sur un navire si chargé d'argent qu'il est sur le point de sombrer. Si lourd que la tempête parvient à peine à le pousser. Et nous avons faim. De vrais loups. Tout ça à cause de ce fou de Tristan. Quel genre de capitaine jette les vivres pour embarquer plus d'argent? À quoi bon être aussi riche si c'est pour mourir au milieu de l'océan? Et pourquoi ceux qui lui ont hurlé dessus à Guérande le portent-ils maintenant au nu? De quoi ont-ils peur? Écoutez, il n'y a aucune voix. Il n'y a personne dans le ciel. Est-ce l'effet de l'argent sur les marins? Leur faire perdre leur bon sens pour s'acoquiner avec un fou? Boire des seaux d'eau de mer en se disant que c'est du vin de New... Help me, Bob, I'm boiling the eye.
men to wait. Hurrah, me boys, we're homeward bound. And one to the other, you'll hear them say, goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. Here comes Johnny with his 14-month pay. Hurrah!
Ma fille, tu aurais dû les prévenir. Leur dire que c'était une mauvaise idée d'essayer de s'enfuir avec l'argent. Ils l'ont jeté dans la mer en tentant de s'échapper.